Villa Samuel. Comment allez-vous, tout ça, Jessica? Ça va? Qu'est-ce que se passe? What's happening? Nous, on est l'association Villa Samuel. D'accord. Et on œuvre particulièrement au Congo. We are in Congo. Je sais pas s'il y a les images. Villa Samuel, vous vous occupez de qui, de quoi? On s'occupe des veuves. Des veuves. We're taking care of widows. Sachant qu'il faut savoir qu'à Kinshasa, il y a déjà 20 000 veuves. 20 000 veuves. 20 000 widows. Rien qu'à Kinshasa. Just in the capital city. Donc nous, en 2016, grâce aux dons qu'on nous a fait, on a pu construire un centre d'accueil. We had a welcome center. Les veuves viennent se réunir. Where widows come and gather. Pour l'instant, c'est pas encore un centre d'hébergement. On finit juste encore les travaux en haut. We're still building it. Il faut savoir que parfois, elles sont plus de 200 à venir. There's more than 200. C'était des femmes qui étaient violées, qui vivaient dans les marchés. Women. Il y a beaucoup de femmes qui ont donné leur vie au Seigneur et qui maintenant elles-mêmes évangélisent. And now they're sharing the gospel. Qui sont restaurées. Et grâce aux dons des frères et sœurs, thanks to the gifts of the brothers and sisters. On peut leur offrir de la nourriture, on peut leur offrir des vêtements. Clothing. On a mis en place aussi un microcrédit, ce qui fait qu'elles peuvent faire de l'agriculture pour pouvoir ensuite être autonomes et vendre leur récolte en fait. So we also gave them some seed money so they can Donc start là, a little business for themselves. Donc là, actuellement, il y a des frères et sœurs qui sont sur place. There's some brothers and sisters that are there, widows. Et c'est essentiellement pour l'instant au Congo RDC à Kinshasa. So they're in Kinshasa, in voilà. DRC Congo. Donc, les frères et sœurs, le Seigneur a touché les cœurs qui ont participé financièrement. Vous avez pu acheter un terrain et construire. Oui. Et donc on est en train de, vous êtes en train d'achever voilà. Le haut en fait. Le haut. Donc c'est un deux niveaux. Un deux niveaux. So they were able to buy the land. C'est vraiment pour qu'après les veuves vraiment les plus vieilles, les plus malades, peut-être elles soient un petit nombre, mais puissent rester vraiment sur place. Taking care of the widows, the older widows. But the top of the building is not finished yet. Il y a un site internet? Is there a website? Un site internet, c'est www.villasamuel.org. C'est parfait. www.villasamuel.com. Merci Seigneur, que le Seigneur vous garde, alléluia. Thank you, Lord. Donc vous tournez tout droit en face, Villa Samuel. On the website, as you're turning, it'll be right there. Près de 200 veuves. 200 widows, more.